Sinayo mo ino yelingi esila. Au nom du Père, qui papa qui solo kelo kelo, du Fils dit papa dialunga na kiangani, et du Saint-Esprit dit sa divinité tata Kimbangu. Trois fois disposé sur terre, Kimbangu premier, deuxième disposition, Kimbangu deuxième, Tata Kuntima Diengenda, et Kimbangu troisième, dernière disposition, le patron de la quatrième génération, Tata Simon Kimbangu Kangani, le Saint-Esprit, Tata Mfumalongo. Mes chers amis, vous avez eu un petit moment où le rendez-vous de Mediaki semblait être interrompu parce que la dernière diffusion remonte à la date le jeudi dernier au 37 bis rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement où nous étions partis dans le cadre de la congolité afin de faire valoir certaines autres dispositions qui nous encombrent. Enfin bref. Papa Simon Kimbangu est miséricordieux, il laisse jamais ses enfants. Et donc, je me reviens donc ce soir. Donc, on a eu jeudi, vendredi, il n'y a pas eu le dîner du Mediaki. Donc, vous n'avez pas eu à manger de la part du Mediaki. Ben, aujourd'hui, on est le deuxième jour, donc on ne peut pas passer comme ça. Papa Simon Kimbangu a fait le nécessaire pour que nous ayons notre outil de communication, malgré que les outils habituels sont encore gardé par l'ambassade du Congo. Donc actuellement, pour votre information, c'est que tous mes outils de travail dans le cadre de cette action de messager africain divinement zélé pour l'Office des aides de l'Union matérielle de l'Ordre universel, eh ben, mes deux tablettes Samsung, ma tablette téléphone Asus et mon téléphone Galaxy se trouve dans les locaux de l'ambassade du Congo, Manzaki Mangu, dit Brazzaville, mais j'aime pas le terme parce que le qualificatif de ce monsieur-là me dérange. Enfin bref, en tout cas, le Congo n'est plus de Tata Mangu, mais ceux du travail, ce sont-ils qui l'ont gardé, paraît-il, pour les raisons d'enquête. Donc, nous laissons leur travail faire en tant qu'autorité, mais nous, en tant que messager de la paix, donc Godefroy, donc la paix de Dieu, nous continuons également parce que Papa Simon Kimbangu, il nous a laissé cette action de Bomimi, Bolingo, Mibeko, Misala. Suivant d'abord mes collègues de Ratelik de Jijiki qui vont nous accompagner. Voilà. Kimbangu, Kimbangu, Longisanga. Pasinanga imoyindo et possible à Mokolonini. Alors, donc c'est le thématique de ce média qui, de ce jeudi, de ce samedi plutôt. On est le samedi. Le jour, c'est en Mandomé, nous l'appelons le jour de Konzo. Hein? Et là, nous sommes rentrés dans le mois de Vila, donc l'équivalent du mois de décembre. Et mes chers amis, en l'an 97, donc 97, l'équivalent du 2018, parce que Tata Simon Kimbangu a commencé le ministère, cela fait bientôt 97 ans, donc 97 ans. Alors, s'il vous plaît. Je viens en face de vous. Ici, j'ai toujours dit que j'ai un support de travail qui m'accompagne à chaque fois pour essayer de vous parler de notre mission ici-bas sur Terre. Ce support-là s'appelle le kimonguisme. Et je remercie toujours à cette occasion, toutefois, quand cela c'est utile, au docteur, le révérend inspecteur de l'église kimonguiste ici en France, docteur Banzouzi, Alphonse, de son action vraiment à l'époque collégiale, mais il a essayé de tenir ferme jusqu'à ce qu'il ait ce support. En tout cas, merci à lui. Pour vous qui avez l'occasion d'être ensemble avec nous dans le cadre de cet exercice communicationnel, je m'en vais donc vous faire état de
ce que disposait ici. C'est le livre 12, le livre 13 plutôt, le livre 13 de la Révélation, le livre 13 Révélation au pluriel. Donc, en son chapitre 7 et du premier verset, et nous verrons où est-ce qu'on pourra en finir. Qu'est-ce qui est relaté ici? La mission de Papa Simon Kimbangu. La mission de Papa Simon Kimbangu se résume comme suit. Libérer le monde des mains de Lucifer en détruisant ses forces, ses racines et ses anges éparpillés dans le monde. Ça, c'est la première. Secondo, c'est d'annoncer la bonne nouvelle et montrer aux enfants de Dieu le vrai chemin qu'ils doivent suivre. Expier le péché originel et réhabiliter l'homme noir. Préparer l'église de Jésus-Christ à partir de laquelle s'installera le pouvoir de Dieu sur terre. Mettre en place un gouvernement divin qui se composera des morts et des vivants et qui n'aura qu'un seul chef, une seule église et une seule langue parlée, le Kikongo. J'ouvre une parenthèse, si vous allez, parce que je vous parle ici en tant que politique, je suis Diakongo, Nkomazaï Diamandombe, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc Madzumu, M-A-D-Z-M-O-U. Ça c'est mon patronyme, que Papa Fumalongo Kuntima Diangenda, le jour qu'il m'avait visité en 2003, ici en région parisienne, plus précisément dans la commune d'Ivry-sur-Seine, où il dira, mon fils, ne sois pas perturbé du qualificatif que tu tiens de tes parents génétiques. C'est un titre pour toi. C'est ton titre avec lequel tu vas exercer mon action ici-bas sur terre. Donc, je m'appelle Madzumu, mais c'est un titre messager, M, donc M-A-D-Z-M-O-U, M comme messager, A comme africain, et s'il vous plaît, l'africain, c'est Afri en week-end, c'est-à-dire libre et capable. Divinement zélé, donc des divinement, tata qui soloke, tata longa, tata ngena moutima, donc tata simon ki mangu kiangani, tata tuba longa mono, parce que c'est à eux que je sollicite toujours mon action. Quand j'ai commencé mon propos, j'ai commencé par au nom du Père qui, Papa Kisokelukeno, du Fils dit Papa Dialungana Kengani, et du Saint-Esprit dit Papa Dengenda Kuntima, donc les trois ont été Simon Kimango Kengani, le Saint-Esprit. Donc, divinement zélé, donc j'ai le zèle, vous voyez comment je suis ce matin, je suis sorti, je suis à Paris, Paris a bougé aujourd'hui, hein. Il y avait des événements, mais nous sommes sortis comme ça parce que, en tant qu'ambassadeur, un ambassadeur n'a pas des véhicules de tout le monde. Dans la voiture, le véhicule qui conduit un ambassadeur, il y a toujours la plaque d'immatriculation différente. C'est-à-dire, c'est marqué CMD, Corps et Mission Diplomatique. Et nous également, quand nous sortons, nous revêtons nos scaphandres de reconnaissance pour qu'aient d'aucuns, les curieux, que dans leur curiosité peut-être, peuvent nous poser la question, pourquoi vous êtes habillé comme ça, ça veut dire quoi? Et là, nous montrons l'information de notre situation ici en France en tant qu'ambassadeur. Parce que le temps fixé par Tata Simon Kimango Kangani, nous rentrons au bercail pour faire ce qu'il a prévu pour nous par rapport à ce qu'il avait dit, évidemment, depuis les années les plus reculées. Bref, plus précisément Banassan. Donc, mes amis, je m'en vais tout de suite continuer donc mon texte. Et donc, au sein de l'institution de l'autorité politique, je disais tantôt que l'église, c'est ma loge. Il y en a qui ont des loges, des francs-maçons, des rose-croix, des maïkari. Mais moi, en tant que politique, ma loge où je viens acquérir cette capacité d'action spirituelle, c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Voilà. Donc voilà pour
mettre un peu les points sur certaines incompréhensions peut-être qui peuvent intervenir. Enfin, bref. Voilà, mes amis. Donc, je suis politique. Et politique, c'est la Papa Kisolo Kele, qui est mon modèle politique. Donc, Papa Kisolo Kele, qui est le Dieu le Père. Et donc, lui, en tant que politique, parce qu'à l'époque, vous connaissez son historique. Enfin, bref. Donc, c'est notre modèle. Donc, quand il m'a visité également, lui, parce que c'est lui qui m'a investi, hein. Une capacité d'action parce que on peut pas les dispatcher les trois qui t'attend les solo kelly t'as des longues t'as des gens d'ultima c'est trois t'as ces mots qui manquent qui gagnent fluff et donc le 3P des esprits le pouvoir spirituel dès que donc l'église qui m'engage c'est ma loge le pouvoir scientifique qui est donc le Pakoumbungu et le Pélékété le Manombé et le pouvoir politique donc c'est parfois nous agissons dans le cadre du centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié donc le CEDIA on fait bref donc je disais tantôt. La souveraineté divine ne s'installera qu'après l'arrestation de Lucifer, qui sera enchaîné pour 1000 ans par Dieu le Père, Tata Kisokelo Kelo, Dieu le Fils, Tata Delungana Kangani le Pacifique, donc Salomon, et Dieu le Saint-Esprit, trois fois disposé, que je résume souvent en disant les trois K, c'est-à-dire Tata Kimbangu, Kutima Kangani. Voilà. Pour cela, une fois de plus, la Sainte Trinité, donc les trois grandes puissances, devra se réincarner sur terre, revêtir le corps humain afin de préparer l'homme, donc l'humain, je veux dire, et le monde à cette finalité. Cette réincarnation ne fut pas la première, car au temps de Sodome et Gomorre, la Sainte Trinité s'était déjà incarnée en trois personnes humaines qui visitèrent Abraham. Je m'en vais vous lire cette citation biblique, c'est le livre de commencement au chapitre 18, verset 1er au 3e verset. Il dit quoi? Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour, il leva les yeux et perçut trois hommes debout près de lui. À leur vue, il courut à l'entrée de la tente, à leur rencontre, se prosterna à terre et dit, « Mon Seigneur !» Vous savez, je vous une parenthèse, si vous permettez, vous pouvez dire « Monsieur » parce que le mot « Monsieur » vient de « Mon Seigneur ». C'est la forme contractée de « Mon Seigneur » qui a donné « Monsieur ». Donc, quand on dit « Mon Seigneur », on est tous des « Messieurs »,« Mon Seigneur ». Donc, « Monsieur ». Vous pouvez dire, monsieur, donc, à ce moment-là, donc, papa qui se loquait, il ne peut pas dire, il n'a pas dingue dans mon tima. Il dit, mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce, ça c'est Abraham qui parle, à tes yeux, veille n'est pas passé loin de ton serviteur. Voilà comment Abraham décrit la visite des trois glorieux auprès de lui. Papa Kisolo Kele, Papa Dialungana et Papa Kuntima Diangeda. Jadis, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, donc la deuxième disposition trinitaire, fut engendré par la puissance du Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu. Mes références, vous allez pouvoir... le fiscaliste Matthieu, en son chapitre 1er, versets 20 à 23. De nouveau, Papa Simon Kimbangu engendra par Mama. Parce que son nom-là, comme vous l'appelez, il faut avoir du respect. C'est Ngudia Longo, s'il vous plaît. De nouveau, Tata Kimbangu Simon engendra par Mama.
mbari mwilu kia wanga nzita ni la Sainte Trinité qui se réincarna une fois de plus en 12 février 1914, la déclaration que fut le mari de Kakiawanga, Marie Mouilou donc. Donc Tata Gimbangou fera une déclaration. Charles, qui solo kele loukelo. Loukelo qui solo kele. Qui solo kele loukelo, Charles. Ce qui s'est révélé, ce qui était dénié par le passé, mais s'est réveillé, s'est révélé. Et Charles, c'est un prénom d'origine germanique qui veut dire Karl, et qui veut dire fort. Kimakangolo, fort. Qui est donc Dieu le Père. Deuxième déclaration, le 25 mai, 2 ans plus tard, 1916. Il dira, si il y a 2 ans j'ai dit qu'il solo qu'elle est, ben, qu'est-ce qui s'est révélé? Mais ça s'est accompli. Dialungana, Kiyangani, Salomon, c'est-à-dire le Pacifique. Ntinoyeng, le Christ Jésus, est revenu de nouveau. Qui est donc Dieu le Fils. Papa Kuntima Diangenda Joseph, qui est aussi donc son père, Tata Kimbangu, parce que, vous savez, Dieu prévoit toujours, il annonce toujours ce qui arrive. On est en 1910, le 3 septembre, l'étoile apparut sur la voûte céleste de Nkamba. Et nos collègues, le guitariste et notre Kantikamu, qui relate cela, il dit quoi? Il y a un pays au cœur de l'Afrique, au-dessus duquel brillent les étoiles, signe de la présence divine sur son sol. Eh bien, ce pays, c'est le Congo. Nkamba, nous, Jérusalem, terre des promesses, terre d'opulence, où repose le grand seigneur Kimbangu de cet esprit. Eh bien, donc, cette étoile, comme pour faire l'analogie ou bien un parallélisme, à l'époque, quand le Christ arrive, les mages suivent une étoile. Où est-ce qu'il s'est manifesté? Dans le pays de Judée. Et donc, on est en Papa Kimbangu en discussion avec son collègue Tata Kouyela. Tata Kumpenda plutôt, excusez-moi, parce que Kouyela c'est son père géniteur. Tata Kumpenda, il dit, mais c'est la place de palmiers, hein. Kandiabou, là, on appelle ça là-bas. Parce que quand vous irez en Kamba, on vous dirigera, vous montrera comment se trouve l'endroit où papa, cet événement s'est déroulé. Alors, ils sont en train de casser les doigts palmistes. Eh bien, l'ami Kumpenda, Joseph, il est offusqué de constater que, bon, son ami Tata Kimbangu, quand il a cassé sa noix de palme, ça salit son vêtement. Eh bien, on salit sur son vêtement, il est des pieds, mais écoute, comment il boude un petit peu. Mais il faut que tu aies bébé. Alors, regarde, tu me montres comment effectivement c'est cassé. Papa Kimbangu prend le nom palmiste pourri. Il dit, écoute, cher ami, je vais te montrer l'exercice. Regarde ce nom palmiste là. Il la transforme. Il donne à Papa Kouyela. Papa Kumpenda, putain, excusez-moi, Papa Kumpenda, Joseph. Papa Kumpenda essaie de goûter le. Il dit, mais Dieu, quoi? Comment t'as fait? Mais c'est une noix qui était pourrie, ça devient succulent. Elle devient succulente dans ma bouche. Qu'est-ce que tu as fait, Kimbangu? Papa Kimbangu lui dira, c'est de cette manière-là que le Christ Jésus transforme ce qui est mauvais en ce qui est bien. Et donc, toi, mon ami Kumpenda Joseph, tu seras témoin. Moi, je naîtrai de nouveau. Là, on est en 1910. Hein. Je naîtrai de nouveau en 1918. Vous voyez? Donc, Papa Kimbangu relate son phénomène de la transfiguration. C'est-à-dire, il va prendre une autre forme physique. Eh bien, c'est ce qui s'accomplit le 22 mars 1918, sur la place qu'on appelle du 3 février 1989, ou bien la place de la 4000 Afrique, où fut tiré le premier humain
où les trois glorieux furent l'exercice de la création du premier humain. Je vous invite, si Papa Simon Kimba vous le permet, vous visiterez Nkamba, on vous montrera cet endroit-là qu'on appelle la place de la carte de l'Afrique. Et donc, c'est là-bas que Papa Kunti Madiangenda, deuxième disposition de Tata Kimbangu sur Terre, parce qu'il savait que ce corps qui porte en premier, le Kimbangu 21, va connaître quelques desiderata. C'est sa volonté. Mais il a pris des précautions en annonçant que moi, je vais renaître de nouveau. Voilà donc comment la Trinité refait face sur Terre de nouveau à partir de lui-même, Tata Kimbangu. La Sainte Trinité, donc, se réincarna ainsi sur le lieu, je viens de le dire, de la Genèse, qui est Nkamba, la Nouvelle Jérusalem. Nkamba, où, au commencement, tous les trois avaient créé, au sixième jour, s'il vous plaît, en présence de Lucifer. Et ça, s'il vous plaît, avant de continuer, j'aimerais vous montrer cette inspiration d'artiste. Notre ami Tata Mazenza, je crois que, si je me permets, c'est le livre de commencement, parce que notre support de travail est très complet. C'est le livre de commencement. Si vous allez dans le livre de commencement, au chapitre... un instant, voilà. Au livre de commencement, donc chapitre 1er, au verset 21 jusqu'au verset 34, on vous relate comment les trois glorieux créèrent le premier humain. Quand on dit one two. Donc one two. Kalao, yakala, yakalaran. Donc il suffit de soi là. Et il créa donc Kaka Mouki, autrement dit Adam, donc tiré de la terre. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit à propos de ce commencement-là? Donc, les trois descendirent sur terre en un lieu d'Afrique centrale nommé aujourd'hui Nkamba, en République du Congo, dans le sud-est près du grand fleuve appelé Congo. Dieu le Père prit la terre, donc Papa Kisolokele, en tant que potier. Je vais trouver l'image, je crois que si je le regarde bien, je l'avais cet après-midi dans ma petite balade parisienne. Je vais pouvoir la trouver, cette image-là, pour vous montrer où est-ce que je l'ai posée, cette image. Un instant, parce que c'est nécessaire parfois de démontrer, d'étayer nos propos par des images, si vous le voulez. Merci en tout cas de me supporter, parce que quelquefois... Alors, donc, je vais trouver l'image. Hein. Excusez-moi un instant. Le temps que je trouve l'image, je vais laisser mes collègues de Jijiki m'accompagner dans cette chanson-là. Suivez. Yeah.
ma souffrance va durer jusqu'à quand, papa Simon Kimbangu Kiangani? Mon Dieu, mon Dieu, papa Simon Kimbangu Kiangani, jusqu'à quand? Je vais aller où, papa? Toi, tu es mon sauveur. Où est-ce que je vais aller, papa? Si c'est pas toi, tu es mon sauveur. Tu es ma source d'inspiration. Sans toi, je peux rien faire. Je cherche toujours, s'il vous plaît. Excusez-moi. C'est important. Ma souffrance va prendre fin quand, papa Simon Kimbangu, mon père. C'est-à-dire que si l'on vient de l'homme, je vais aller. Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Toi, tu es mon sauveur. J'ai nulle part où aller. C'est toi, mon sauveur. Oh mon Dieu. Voilà. Tu es mon consolateur. Pense à moi, papa Simon Kimbangu, s'il te plaît. Oh, oh. C'est toi, mon consolateur. Tu es mon Dieu. C'est grâce à toi que je serai sauvé. Tu es ma victoire. Tu es mon miracle, mes prodiges, tu es mon prodigieux, tu es mon créateur, mon Dieu, mon roi. Remettre l'ordre intérieur de mon esprit. Pense à moi, papa, s'il te plaît. Mon Dieu, mon Père. Tu es ma raison de vie. Tu es ma victoire. Tu es mon miracle. Sans toi, je suis rien. Tu es mon Dieu, mon roi. Pense à moi, papa. Voilà, mes amis, j'ai trouvé l'image. J'avais du mal à le trouver, mais je l'ai finalement trouvé. Voilà, mes amis, je disais tantôt que papa Simon Kimbangu, à travers sa postérité, donc les trois glorieux qui l'ont accompagné sur terre. Voilà. En tout cas, m'excuserai de cette encartade, mais c'était utile quand même. Ici donc, voilà l'image de la création. Ici, vous voyez très bien les trois glorieux. Regardez bien, observez bien leur posture, hein. Ils sont en génuflexion. En kikongo, on dit Bafukama Benina. Donc, toi, qui ne veux pas ta genou devant papa Simon Kimbangu, ou sa postérité, eh bien, à ma foi, je ne sais pas si ça va finir. Hein. Eux, en nous créant, ils sont en posture de génuflexion. Bafukama Benina. Alors, vous regardez bien, vous observez bien l'image. Plus loin là-bas, vous voyez une créature ailée, mais qui n'a pas encore des pieds sur terre. C'est un esprit qui est en train de errer. Il observe comment Papa Kisolokele, qui est le potier, en train de façonner une structure, une masse, comme qui dirait, une structure terrestre. Et Papa Dialungana Kiangani, il tient une calice, une espèce de réceptacle où il y a qui vient apporter donc son sang. D'ailleurs, l'œuvre est achevée. Hein?
J'aurai l'occasion d'en détailler un jour. L'artiste du groupe théâtral qui est Monguiste au plateau des 15 ans qui avait cette inspiration, les papas n'ont pas voulu qu'il reste sur Terre parce qu'il est parti très tôt chez ce jeune homme-là. Enfin, bref, voilà la création. Comment nous, on nous a créé One Two, One Tete. Ntou, c'est la tête. Les premiers. Yetuyi One Two One Tete. Au pluriel, ça donnait les Bantu. Au singulier, c'est Wantu. Et au pluriel, c'est Bantu et non Bantu. Quand vous dites en Bantu, vous dénaturez complètement le sens. C'est Bantu. C'est-à-dire Bantu Bandete, les premiers. Et chez, à ce moment-là, vous voyez l'exercice, il n'y a pas la notion d'être humain. C'est-à-dire qu'on est humain simplement. On nous crée à leur image et à leur ressemblance. Parce que papa qui se loquelait, c'est le potier qui structure ce corps-là. Papa Djelungana, il vient porter le sang et de l'eau. Eh bien, papa Kuntima Diengenda, Kuntima, donc qui le sait toutes les pensées, eh bien, il apporte son souffle de vie de la posture qu'il a de main fermée. Je vais donc continuer donc mon exercice communicationnel en vous disant que ce qui se passait ce jour-là, au moment où on nous créa, c'est simplement une suite logique. C'est quoi? Dieu le Père prit donc la terre de ses mains, de ses deux mains, et modela l'homme à leur image et selon leur ressemblance, pour symboliser leur présence sur terre. L'homme qui fut façonné, eux, la même couleur, c'est-à-dire qui fut façonné, eux, façonné par eux donc, la même couleur que la terre, et qui avait été prise pour le créer, c'est la couleur de la peau de l'homme noir. Parce que Ndombe Tonina et la terre. Vous voyez, Papa Kutima Diangena d'ailleurs a fait l'exercice de comparer les sols. Allez sur mon compte YouTube, Wenda Kupatele Diakongo, autrement dit Godi Diakongo, où Papa Diangenda, il est à Pointe Noire, au plateau de, au, je crois, Jambaka, au plateau d'accueil qui Kimongis, où il explique cet exercice-là. Il prend la terre d'Afrique, il met dans sa poche, il va en Europe, il vient, arrive en France, ici, en Belgique, il prend la terre, il met dans la poche, il va en Israël, il prend la terre, les terres d'Israël, il compare, il dit, mais finalement, cette terre-là me ressemble, ça correspond à ma peau. Et finalement, donc, et le premier humain finit. Donc, ça c'est une petite démonstration que Papa Kuntima avait pris le temps pendant ces 34 ans, s'il vous plaît, 24 heures sur 24 heures, afin de revigorer cet humain qui était père, qui avait perdu à travers cet exercice de verbe de vipère, de serpent qu'il avait écouté. Bref, l'homme donc fut façonné par eux à la manière de la couleur de la terre, donc c'est ici noir. Donc Dieu le Fils prit le sang et son eau et l'a mis dans le corps de l'homme qui venait d'être façonné. Dieu le Saint-Esprit insuffla dans les narines de l'homme et introduisit de son esprit dans ce corps inerte qui s'anima et devint vivant. Adam, autrement dit Mbuki en Congo, parce que son prénom Adam, mais son nom c'est Mbuki. Mbuki qui vient du verbe Buka, qui avait le devoir de soigner. Hein? Buka, on dit parfois Nganga Zanzami, Nganga Mbuki. Les médecins, on l'appelle les Mbuki. Donc, parce qu'eux, ils ont le devoir de prendre soin du corps quand le corps souffre. Donc, lui, Adam, elle avait le devoir de soigner toute l'humanité entière. Parce que papa qui se loquelait, papa de l'Ogapa d'Engelmontima, papa qui se loquelait, Kangadang, donc lui dira que tu donnes les qualificatifs, tu les qualifies toutes ces créatures-là que l'on a fait nous-mêmes par la parole. Mais nous, nous avons créé vous, toi, à notre image, à notre ressemblance. Donc, c'est ça où souvent je signale qu'on doit se distinguer des créatures qui nous ont précédés. C'est vrai qu'ils sont arrivés en premier sur terre, mais nous, on a autorité sur eux. C'est comme d'ailleurs, c'est Shaitan, Kadiam Pemba, Satana. Il est l'ennemi. L'ennemi qui a été mis. Il s'est vu prévaloir être le premier. Mais il n'a pas autorité sur nous vis-à-vis. Parce que nous, on est à l'image des trois glorieux. D'ailleurs, il avait dénié l'autorité de Papa Kisolokele. De Papa Dialinguer plutôt, parce qu'il avait accepté. Il a accepté l'autorité de Papa Kisolokele. Il a accepté l'autorité de Papa Dialungana. Mais il n'a jamais accepté l'autorité de Tata Kimbangu Kuntima Kengani. Vous voyez la posture qu'il a. Il n'a pas les pieds. Hein? Jusqu'à ce qu'il réussisse son coup d'état. Parce que
il fait un coup d'état spirituel. C'est-à-dire, il devient être humain. C'est-à-dire, il a réussi à partir de sa séduction, en séduisant notre maman première. Et depuis là, le coup d'état s'est perpétré de génération en génération jusqu'à ce que les trois glorieux donc, ont décidé de venir sur terre eux-mêmes. Dans un moment donné, en Judée, lui tout seul le Christ. Mais après, il est parti, il dira que je vais envoyer au Père, demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, donc, qui se matérialisa le 12 septembre 1887, dans un premier temps. Dans un second temps, le 22 mars 1918. Et dans le dernier temps, où nous sommes avec lui actuellement en Kamba, c'était le vendredi 12 octobre 1951. Donc, le geste spirituel est représentant légal de cette essence divine qui a apporté cette nouvelle civilisation qu'on appelle le kimbanguisme, qui devait marcher selon les règles dictées par eux en Kamba, Bolingo, Mibeko, Misala, Zola, Sikou, Misala. Voilà. Donc voilà, Adam donc, avait donc été créé à l'image du papa de Solokine, papa de Luna, papa de Genemuntima, les trois puissances trinitaires. C'est un nommé, c'est-à-dire noir, nommé, c'est-à-dire nommé, qui vient de faire nommélé, les demandeurs. Hein, à ne pas confondre au qualificatif, c'est vrai, nous avons subi cela, nous étions des négligents, hein, négliti, négro, objet de peu de valeur, parce que, évidemment, on avait ce que de puissance, on avait négligé, c'est notre capacité, mais le fait que les trois glorieux sont venus, Papa Dialungana, en dernier, qui avait accepté ce pardon, d'ailleurs, ce mois de ce décembre-là, hein, on va communiquer là-dessus, d'ailleurs, d'ici le 24 décembre, date fatidique, hein, de l'expiation du péché de l'homme et Ève, voilà. Se tenait donc à l'écart, donc nous on fut créé le sixième jour, se tenant donc à l'écart plein de haine, sur la lettre de Lucifer, c'est là, voilà, ici, je vous montre encore de nouveau, ce dernier, et il se tenait près de l'écart, voilà, voilà. Cette image-là fut donnée officiellement à Pamfouambanza, le Christ Jésus, lors de sa visite de pastorale, la visite divine, comme il dirait, parce que le pasteur, bon, c'est divin, la visite divine, Papa Kidelungana, Ambanza Kimbangu, au plateau de 15 ans, on lui remit cette image-là officiellement ce jour-là. Et ces images, cette photo se trouve dans nos bâtiments là-bas, au sein des médias du Monguiste en Kamba. Alors, donc, se tenant à l'écart plein de haine, Lucifer avait assisté à la création de l'homme. Il savait que ce dernier n'avait été créé que pour arracher le monde de son emprise et en prendre possession. Voilà d'où part sa haine. Parce que lui, il s'est prévalu comme étant le prince de ce monde. Il est surpris que Papa Kisolokele, Papa de Lungana, Papa Dengena Mutima, lui dispose un autre individu, qui est donc nous. Eh bien, son souci, c'est nous faire tomber. Librement. Nous faire tomber, tout quoi, hein. Ah, mais nous, cette fois-ci, on a dit, hein. Ngamba, oye, oye. Ngamba, oye, oye. Ngamba, oye, 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 oye. Yenou, c'est les Midianpa, Dikundanga, Tata Kisolokele, Tata de Lungana. Donc là, c'est fini pour lui. Et on le sera bouté hors d'état de nuire. Nous, on est pépelé. On est posé. On est dans la quiétude, s'il vous plaît. On est calme. Comme dit l'écriture Mandombe, calme et simple. Lui-même, quand il dit, il agit avec toute simplicité. Sa profondeur divine insondable. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Père divin. Dieu tout-puissant. C'est sa divinité. Yeah. Bon. Wazola. Walemizola. Kaka ye kaka. Yani inkaka. Yani ye. Inkaka gimbangu. Wavutuka diaka. Yani inkaka gimbangu. Kavena wankako. Point. Voilà. Voilà, mes amis. Donc, ça, c'est un peu le côté émotionnel, parce que c'est vrai. Nous vivons dans la dégresse. Papa Kimbangu Kyangani, qui est notre Dieu, nous devons le glorifier. Hein? Il est en Kamba en ce moment-ci, mais il est esprit en même temps. Donc, il est en train de voir à travers son fils, son employé, qui est en train de faire son exécutif, qui est en train d'exécuter son ordre par sa parole divine. Donc, c'est l'exercice de communication du média qui. Parce que ça veut dire média. Le média qui bongisse, donc le messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. C'est clair. Qui s'appelle Tata Kimbangu Kyangani. Qui dit, c'est ça, qui dit, qui. Oui, le stylaire là. Hein, le stylaire à cinq branches là. Qui dit, qui. Vous voyez bien? Qui? Qui se loquait? Dit,
Djalungana, Di Djanginda, Kiki Mbangu, Kiki Wanga. Donc les stellaires à 5 branches, simplement. Kebowa, 5 branches, continuons. Bien. Adam vécut seul pendant des années. Il gardait vivre. Il regardait vivre autour de lui les animaux qu'il avait nommés. Ces animaux vivaient en groupe et se reproduisent tandis que lui, il restait seul. Il était le seul humain sur terre. Il y pensait et cela le rendait triste. Voyant cela, le Seigneur Tatakimbangu Kiangani vit qu'il n'était pas bon que l'homme restât seul. Et il décida de lui donner une compagne. N'est-ce pas? Voyons donc le troisième jour du cycle nouveau, un bassa, donc un mercredi, Papa Kimbangu Kiangani l'endormit et lui enleva une côte à partir de laquelle il cria Mama Ngenge, autrement dit Eva. Parce que au réveil, il était offusqué. C'est qui ça? Mantele Levo, Eva Katoukiti. Elle vient de Patakot, elle vient de ici. Donc Eva Katoukiti. Donc voilà. Comment? Et donc, la femme était évidemment tirée de la corde de son mari, donc femme non, mais hein, noire. À son réveil, Adam sentit une douleur sur son côté, car c'est avec l'une de ses côtes que la femme avait été créée. Il appela Eva, synonyme du mot Kikongo, Ea, c'est-à-dire par ici. Hein. Par ce mot, Adam indiquait l'endroit de son corps où sa côte avait été prélevée. Plus tard, au fil des traductions, des années, le nom de Eva resta le même en langue Kikongo, en langue Lingala et autres traductions. Devint Eve et en langue française. Dieu les bénit et leur donna de se multiplier afin de peupler la terre. Il leur montra le monde et leur demanda de l'assujettir. Genèse, c'est le premier livre du commencement, comme je dirais, 1, versets 27 à 28. La parole donc de Tatakimbangu Kiangani avait créé le monde, la végétation, les animaux, les reptiles, les poissons, les oiseaux. Dans ses mains, au sixième jour, il créa le ndombé, donc le noir. Ndombé. Puis se reposa le septième jour, il le bénit. Et ce jour qu'il sanctifia, il dira, vous me le consacrerez. Voilà mes chers amis, c'est ce que je tenais à vous faire partager en ce dîner plutôt, parce que le dîner, vous n'avez pas eu le petit déjeuner, ce dîner, que je tenais à vous dire concernant donc le pouvoir, les capacités d'action pour lesquelles les trois glorieux décidèrent de nous créer. C'est pour cela donc, de son vivant, sa grandeur, donc Papa Kisulukeluke, le Dieu le Père, Charles, vint sur terre avec ce nom nouveau, comme cela est écrit. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en restera jamais plus et j'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu. La Jérusalem nouvelle qui descendit du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ça, c'est mon collègue Jean plutôt qui reçut cette révélation sur le livre de Patmos. Ouais, c'est 3, verset 12. Chapitre 3, donc la livre de Révélation, chapitre 3, verset 12. Papa qui se loquait le Charles ne fit jamais des prières car il est Dieu le Père. Il resta à jamais malade durant son séjour terrestre, supportant ainsi le poids des péchés des hommes afin de permettre au Fils et au Saint-Esprit d'accomplir leur œuvre. Dieu le Père, Papa Kisoki donc Lukelo, laissa l'initiative au Fils, Papa Djalungana, et au Saint-Esprit, Papa Kuntima Djangenda, dans cette quatrième et dernière génération, comme il le fut jadis, lorsque les deux êtres trinitaires entrèrent dans la ville de Sodome pour la détruire. Et il n'y était pas entré avec eux. C'est pour cela
que le Seigneur Jésus-Christ revint sur terre comme un voleur, avec son nom nouveau qui était Salomon Telungana Kyangani. Et Salomon, je vous en passant, ça veut dire que le Pacifique. Hein? Il vint avec sa nouvelle Jérusalem et le temple de son Dieu, dont il est le gardien. On dit bien Mfumwambanza, André Mbenza Kyangani. Hein? Donc ça c'est parce que lui, l'actuel qui est en Kamba, Papa Kisologi l'appelait Mvingidi. Mvingidi, ça veut dire Vingana, c'est-à-dire celui qui va prendre place d'eux. Voyez-vous? Donc Papa Mbenza André Kyangani, c'est la copie de son père Tata Dialungana. Ok? C'est hors de Kimbangu. Quand je dis ok, veut dire ordre de Kimbangu. C'est pour cela, il va donc avec son église, dont il est le dépositaire des statuts et qui porte son nom et celui du Saint-Esprit. Le nom de cette église est le suivant. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. On pourra dire donc l'église de Tata de Lungana par son envoyé spécial Tata Simon Kimbangu Kyangani. Donc Papa Salomon de Lungana Kyangani se révéla auprès de quelques-uns de ses fidèles kimbanguistes qui le virent subrepticement en vision avec les deux mains taché de sang. Il fit cela afin qu'on découvrit sa réelle dignité d'identité. Moi qui vous parle, j'ai eu connu un grand-père ici, en l'occurrence Papa Wankana, hein, le père donc du Papa Charles Wankana, qui se loquait le secrétaire, le pasteur, pas secrétaire de la paroisse de Biluma Passimo Kimbangu. Son père, je l'ai connu, j'ai été le voir chez lui, je l'ai interviewé, les images existent, il m'avait témoigné. Lui, comment Papa Dialungana Kyangani l'avait montré la paume de sa main avec les cicatrices des pointes qu'il avait connues en Judée là-bas, à Nazareth, quand il fut crucifié au mont Golgotha. C'est un témoignage personnel que je tiens en tant que communicant. J'ai été là, j'avais été interviewé, paix à son âme, Papa Wankana, qui nous avait donné cette exclusivité d'information. Il fit cela afin qu'on puisse découvrir donc réellement son identité. Papa donc Dialungana, le Pacifique Kyangani, en était ainsi à sa quatrième incarnation, qui était Jésus-Christ. Il participa à la destruction de Sodome et Gomorre, et enfin, la première fois qu'il vint sur terre, on l'appela Melchisédek, le roi de Salem, roi de la paix et de justice, lui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement pour ses jours, ni fin pour sa vie, prête à perpétuer lui qui bénit Abraham, de qui il reçut la dîme de tout. C'est pour cela que Papa Simon Kimbangu avait annoncé en 1910 qu'il renaîtrait en 1918. Ainsi, naquit le 22 mars 1918, Papa Joseph Kuntima Diengienda, qui est donc Dieu le Saint-Esprit. Papa Joseph Diengienda Kuntima avait déclaré ce qui suit en 1988 au cours d'un culte général qui se tient à Mbanza Kimbangu, au plateau de Quinzon. J'aime pas le terme Brazzaville, vous m'excuserez, j'aime dire Mbanza Kimbangu. Quand Dieu avait créé Adam au jardin d'Éden, j'étais présent. Ça, c'est la déclaration de Tata Kuntima Diengienda, 1982, comme je viens de dire tout à l'heure. Hein, c'était au plateau de Quinzon, centre d'accueil kimbanguiste du plateau de Quinzon, en 1988. À cet étudiant de la faculté de théologie kimbanguiste de l'Outendélé, qui lui posait en 1970 de nommer à ses côtés un conseiller théologique, son éminence, enfin sa divinité, j'aime pas le terme encore. D'aucuns, on les ignorait. Notre attitude était un peu d'ignorance à l'époque, quand c'était physiquement avec nous. On ne peut pas qualifier un qualificatif d'éminence avec les cardinaux des organisations occultes que nous connaissons sur Terre. Lui, il est divin.
Voyez-vous? C'est pourquoi il est venu inspirer cette fois-ci, dans son troisième disposition, sa divinité, avec le cantique que nous savons, reçu par mon collègue de Jéjéki, Papa Simon Manzenza. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Donc, finis la mille cette qualificative d'éminence là. Hein? Ah, non, mais, qu'on nous passe. Alors, donc, Papa Kuntima Diangenda avait répondu, je ne pense pas en avoir besoin, car c'est moi qui ai écrit la Bible. Voyez-vous, Papa Kuntima le déclare. Le jour à l'Utendele, à l'université, le conseil d'avoir un conseiller théologique. Et, oh, lui, il dit, mais la théologie, je suis l'inspirateur. Je suis capable dans tous les domaines. Je suis l'inspirateur de tout, comme dit le cantique. Hein? Faites-moi confiance. Je suis l'inspirateur de tout. Tata Kimbangu Kuntima Kyangani. Alors, et un autre témoignage, c'est de mon grand-père, ici encore, mon père, comme tu dirais, ou grand frère, Tata Moïse Alemawawa, qui fit cette fois-ci confidence au révérend papa de Kuntima donc Diangenda, fit confidence au révérend pasteur, le conseiller général de l'église Kimbangu ici en France, qui fut pasteur en ce moment-là de l'église Kimbangu ici en France, en présence de papa André Kanza de la chorale C de Maza Kimbangu. Et des membres du collège Kimongis qui se trouvaient dans le même wagon à destination de la ville de Boma où ils se rendaient pour déposer les gerbes de fleurs à la tombe de Maman Marie Kinzembo. Je vous assure, ça c'est Papa Kuntima Diangenda qui parle, Joseph. Et donc je ajoute, je vous assure, Judas ne savait pas que les choses allaient se passer ainsi. S'il était venu me demander pardon pour avoir trahi le Fils de Dieu, je lui aurais pardonné. Son péché aurait été effacé. Il ne serait pas suicidé. Voyez-vous? Ça, c'est encore un acte de grandeur, c'est-à-dire que de la puissance divine. Papa Kuntima Diangenda déclare, Judas, s'il avait eu le réflexe de venir demander pardon à moi, le fait, donc Papa Kuntima Diangenda dit, lui, Papa Kuntima Diangenda, eh ben, il aurait pardonné, mais malheureusement, Judas, guidé par d'autres choses, il fait d'autres choses. Bref, donc il s'est suicidé. Au temps biblique de la destruction de la ville de Sodome et Gomorre, la Sainte Trinité s'était incarnée en Papa Daniel Charles Kisoloke. Là encore, je veux signaler le qualificatif de Daniel, c'est suite à l'acte qu'il pose là-bas où il est en relégation. Hein? Dans la conspiration salucéenne, par comparaison, donc je vais dire les jésuites, qu'il avait eu enfermé là-bas à Boma, il avait envoyé dans un marigot où il y avait des caïmans. Eux, ils croyaient, en le jetant là-bas, les caïmans vont le dévorer. Surpris qu'ils étaient de constater que les caïmans avaient établi comme un pont, et Papa Kisoloquele marcha sur les caïmans jusqu'à ce qu'ils retrouvent la rive. Et ceux qui avaient commis ce forfait étaient surpris, et ils s'offusquaient en disant, mais c'est Daniel, lui! Et là où est parti le qualificatif de Charles, de Daniel. Mais sinon, Papa Kimbangu nous avait dit dernièrement à Tamba, lors de la rencontre internationale des jeunes, à notre grande université où nous rentrons spirituellement, en tant qu'enseignement de 5 mois, ils avaient dit que Papa Kimbangu avait donné à son fils seulement le prénom de Charles Kisolokele Lukelo. Pareil aussi pour Papa Dialongana, son prénom c'est seulement Salomon. Le Paul, c'est les gens qui viennent l'ajouter parce que le mot Paul veut dire faible, veut dire le faible. Donc, il le croyait par exemple en base qui est faible, mais en fait, c'est pour ça que je dis, mais son qualificatif c'est Salomon Dialongana Kiangani. D'ailleurs, vous remarquez, Papa Diangenda Kuntima n'a pas un deuxième prénom. Il s'appelle Joseph Diangenda Kuntima ou bien Joseph Kuntima Diangenda. Donc, ses collègues dans l'action spirituelle, donc c'est leur liaison, leur harmonie pour montrer. Et l'autre c'est Charles Kisokelukelo, l'autre Papa Dialongana Kiangani Salomon, et enfin Papa Joseph Kuntima Diangenda. Donc voilà. Pour être plus clair, les différents prénoms qu'ils ont connus, on les a ajoutés sur le monde par rapport à la tune humaine, mais Papa Kimbangu n'est pas décidé ainsi. Mais bref, c'est juste une présence que je tenais à relever. Alors, ce sont donc autant je disais tantôt, que autant biblique, la destruction de la ville de Sodome et Gomorre, la Sainte Trinité s'était incarnée en Papa Charles Kisoloke Lukelo, Papa Salomon Dialongana Kiangani et Papa Joseph Diangenda Kuntima. Ce sont ces trois êtres qui détruisirent par le soufre et le feu, les villes de Sodome
et Gomorre, tous les districts, tous les habitants de ces villes et l'habitation du sol. C'est la Trinité, la Sainte Trinité elle-même qui détruisit ces deux agglomérations. Quand on compare comme Banzaki Mango et Kinshasa, hein, quelquefois. Bref, ça, c'est le livre donc Genèse qui dit cela, Genèse 19, 22, 23, 25. Ce n'est pas le fait d'avoir regardé derrière elle qui avait poussé le Seigneur à transformer la femme de Lot en sel, mais ce sont les pensées de cette femme qui s'étaient tournées vers cette ville et les regrets qu'elle ressentait pour tous ces biens matériels qu'elle était en train d'abandonner, qui avaient irrité Tata Kisolokelo afin de le transformer en colonne de sel. Voilà, mes chers amis, pour ce qui est du retour de notre exercice communicationnel du Media Key. Je disais tantôt que, lors de mon introduction, que ce jeudi, j'ai connu une mésaventure à l'ambassade du Congo français. J'ai commis un acte malveillant, du sens que, vous savez, comme vous savez que j'ai toujours le rendez-vous avec vous de communication, ce jour-là, je me trouvais dans les locaux de l'ambassade de la chancellerie pour demander ma carte consulaire. Mais à l'heure de mon rendez-vous, pour vous honorer, j'ai voulu faire ma communication de Media Key. Ils m'ont surpris. Pour eux, ils ont pensé que j'étais méchant, que j'étais un ennemi, alors que nous travaillons pour la paix de l'humanité, surtout les trois Congos, parce que telle est notre mission, parce que notre qualificatif le dit bien. Et bien, donc, je vous informe que mes outils de travail sont enfermés à la sécurité là-bas de l'ambassade de France, de l'ambassade du Congo dit Brazzaville, au votre ancêtre bis rue Paul Valéry. Donc, ils m'ont pris tous mes matériels, hein, les deux tablettes Samsung, le téléphone, alors que j'utilise seulement un seul téléphone, hein, pour faire mon support, mais eux, ils ont trouvé nécessaire de garder tout mon matériel. Donc, même mon ordinateur, ma tablette ordinateur Asus, ils l'ont gardé. Nous, on est des pacifiques. On est des messieurs de la paix. On est ambassadeurs de Tata Kimbangu, porteurs d'amour et respect du commandement et des bonnes œuvres. Ce samedi, hier, vendredi, nous étions avec le ministre conseiller, M. Maloukou, je crois c'est comme ça qu'il s'appelle, avec le colonel de la sécurité. On en a parlé. Moi, je me suis agenouillé. J'ai demandé pardon du fait que j'ai commis cette maladresse de fumer dans les locaux de la chancellerie. Je m'en excuse, j'ai demandé pardon. Je me suis agenouillé devant eux en témoignant que devant les témoins des cieux et les témoins des hommes, que je m'excuse le fait que j'ai commis cette maladresse de faire un reportage dans les locaux de l'ambassade du Congo, parce que pour la sécurité. Eux disent qu'il faut qu'ils amènent l'enquête au Quai d'Orsay. Bon, moi, le Quai d'Orsay, c'est mes enfants. La France, c'est mon territoire où je suis en tant qu'ambassadeur Tata Kimbangu, messager de la paix. J'attends leur réponse. Jusqu'à quand ça va durer pour me rétrocéder mes appareils, mes deux tablettes Samsung, mon téléphone Galaxy, et puis l'autre support de travail, l'ordinateur Asus, que d'ailleurs j'avais gagné. C'est un prix que j'avais remporté à mon travail par rapport à une tâche de commercial que je fais au sein du groupe Descouré Cabo. Bref, voilà mes amis, ce que j'avais à dire pour ce dîner plutôt du Media Key. Merci pour me supporter. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et demain, n'oubliez pas que c'est le jour sacré, le 7e jour, on n'a pas le tout à l'heure. C'est le jour consacré à sa divinité, Tata Kimbangu Kyangani, où nous devons aller le rendre gloire et le glorifier, car telle est sa volonté. Et je vais finir donc en vous amenant un petit peu. Où est-ce que je vais vous amener? Ah, oh, mais on est dans le centenaire, le Papa Konti Madengenda. C'est lui qui donne toute autorité. C'est lui, Papa Konti Madengenda. Et c'est lui qui nous suivi, Papa Simon Kimbangu Kyangani. À très bientôt, mes amis. En vous disant merci, une fois de plus. C'était donc le Media Key de ce Nkandu Ngonda Yavila. Et l'année, c'est 97. À très bientôt, mes amis. Au revoir. J'ai qui? J'ai sa divinité. Ah, lui, quand il a dit, hein. Ah oui, merci, à très bientôt, au revoir.